Alors, comme vous le savez, chaque année on participe au Grand Salon de l'Agriculture de Paris. Cette année, nous avons 30 exposants qui représentent 66 coopératives qui travaillent dans le domaine des produits terroirs. Ça à peu près représente 1680 adhérents, dont plus de 650 femmes. Nous avons plus de 66 produits qui sont exposés, sont des produits labellisés, avec des signes distinctifs d'origine et de qualité, IGP, AOP. Et cette année aussi, on va organiser plus de 300 B2B pour les coopératives avec les opérateurs ici français et européens pour décrocher des contrats sur les marchés en Europe. Ce sont des produits aussi qui sont de très bonne qualité. Les coopératives ont bénéficié de programmes d'accompagnement très importants par les différents services du ministère et par l'Agence pour le développement agricole. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Les produits qui sont présentés sont des produits qui sont très prisés par le consommateur français. Et on s'attend, Inch'Allah, à beaucoup de visiteurs. Comme vous le savez, le salon de Paris, c'est entre 700 000 et 800 000 visiteurs par année. Alors, ici, le marché européen, vous savez, c'est beaucoup de produits, notamment les huiles, huile d'argan, huile d'olive marocaine extra vierge. Il y a aussi les épices marocains qui sont très prisés, les plantes aromatiques et médicinales. Il y a également le cactus et les dérivés de figues de Barbarie. Bon, il y a les dattes marocaines aussi, bien sûr, qui sont de renommée internationale, notamment la variété Mjoul. Et les couscous, les différents couscous, notamment le couscous Khoumassi, et surtout les couscous qui sont issus des provinces de Sud, de Goulmim, de Laayoun et de Dakhla. Mais il y a beaucoup d'autres produits qui ont une notoriété très importante, qui sont très demandés ici sur le marché européen. المشاركة من هذا المعرض ديال باغي مازال حنايا ثاني مرة كنتواجدوا فيه. العام الفايت درنا فيه واحد لاشونج مزيان. انا جاو الناس اللي تعرفوا على المنتوجات ديالنا وصدقوا كيتقدموا من عندنا, كيجيو حتى المغرب وكيتقدموا من عندنا المنتوجات ديالنا لهنايا داخل فرنسا. يعني دابا ثاني هذا العام عيطوا لينا, كنتمناو كذلك نديروا علاقات اخرين تجاريه بليطو باش هذاك سميتو يولي عندنا واحد صادرات كتجي لهنايا للمغرب, وانت حنايا نعاونوا بها هذيك المنطقه ديالنا ديال ابي الجعد. جينا باش نعرضوا المنتوجات ديالنا اللي هما الاعشاب والزيوت العطريه والزيوت الاساسيه, والحمد لله المنتوجات ديالنا تلقاو واحد اقبال كبير من طرف الزوار. اللي كننتظروا من هذا المعرض بالنسبه للتسويق ديال المنتوجات ديالنا هو انه نحاولوا نديروا عقد مع ناس اجانب, ونحاولوا انه نبداو تنصدروا المنتوجات ديالنا لمدينه فرنسا, دوله فرنسا. اولا بالنسبه لتعاونيه الاريج الغابات تاسست سنه 2017, وفي خلال سنه حاولنا انه نحصلوا على ثلاثه الرخص ديال السلامه الصحيه. و 2018-2019 حاولنا أنه ندخلوا الأسواق الكبرى في المغرب, والحمد لله المنتوجات ديالنا تتلقاو واحد الإقبال كبير من طرف الزوار. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.